Et le feu vert. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Mode à la Mode. On se retrouve aujourd'hui sur Air Factor 2 pour découvrir ensemble la saison 88 de Formule 1, disponible depuis quelques semaines désormais sur le Workshop Steam. Alors on est en train de faire un peu l'extérieur à tout le monde ici, ça se passe pour l'instant sans problème. Nous sommes avec la Williams Honda de Nigel Mansell, le pilote anglais. On est en train de se faire engluer dans le trafic, on tente de faire un peu notre chemin, c'est pas simple. Il y a Ayrton Senna qui est pas loin, juste derrière nous, on l'a vu avec la MP4-4. Alors un mode qui est disponible gratuitement évidemment, pas de lien dans la description pour le télécharger, mais un lien vers le Workshop Steam pour pouvoir directement le télécharger pour votre Air Factor 2 sur Steam. Alors ce mode est donc entièrement gratuit, je vous le disais, il comprend l'ensemble de la saison 88 de Formule 1. Alors Ayrton ici va nous passer, on arrive à freiner tout juste derrière la McLaren. Ça joue un petit peu au niveau de la voiture. On a une aide simplement à la stabilité en bas pour tourner cette vidéo. Vous savez que quand je parle, j'ai toujours besoin d'un petit peu d'aide. Je vais également vous montrer différents plans. Oh, je vais pas réussir à freiner. Oh, j'ai freiné beaucoup trop tard sur cette épingle ici au bout, malheureusement. Alors, la particularité première de ce mode, c'est que vous avez en plus d'avoir l'ensemble des packs de voitures de 88 avec toutes leurs améliorations spécifiques, et bien le pack du circuit. Oh, alors Nelson, on est allé au large là. Ouais, champion en titre qui est allé frôler, même taper les Aramco. Alors attention pour la dernière chicane qui est un petit peu plus rapide que ce qu'elle est aujourd'hui. Quoique, avec l'époque, ça tapait pas mal. Hein. Je me rappelle de Derek Warwick qui était sorti. Et pas une masse à faire, alors que là, les voitures freinent en plein milieu de la ligne droite. Il y avait une Zach Speed à côté de. Nelson Piquet qui a freiné, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc revenons à l'explication que je tenais avec ce deuxième tour. On sera des courses de deux tours un petit peu. Hein, comme ça, vous allez voir pas mal de circuits, de pistes, de voitures et de moteurs différents. Voilà. Alors, je me disais tout simplement quand j'ai testé ce mode que j'étais assez satisfait de retrouver un mode de qualité visuelle correct sur Air Factor 2 à ce niveau-là, parce que c'est un mode qui a entraîné beaucoup de jeux et beaucoup de plateformes. Il a été disponible sur. Eh bien GTR, GTR 2, Grand Prix Légende, F1 Challenge 99.0 de Air Factor. Hein, donc c'est un jeu qui a roulé, un mode pardon, qui a roulé sa bosse sur pas mal de jeux. Et le voir passer sur Air Factor 2 était plutôt positif. Les modèles sont propres, après ça casse pas des briques évidemment, mais la réalisation des voitures est correcte, les dégâts également. Donc c'est plutôt positif en termes de réalisation technique. Bon, des fois, vous allez le voir peut-être que ça dépasse, c'est pas tout à fait droit, il y a quelques... Ouais, attention, j'ai failli percuter la voiture devant moi. Quelques petites approximations, mais dans l'ensemble, on va dire qu'à 99%, la réalisation visuelle et les modes 3D des modèles de CF1 de 88, ils sont tous quasiment parfaits. Alors là, c'est un peu compliqué de faire de la place avec des voitures un peu plus grandes. Devant, on voit aussi, je crois, que c'est Philippe Agnew. En tout cas, je vais terminer ce tour et je vais vous proposer une deuxième course sur un circuit qui me manque. Personnellement, vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Et nous sommes à bord de la Ferrari de Gerhard Berger, notre ami Gerhard Berger, l'Autrichien. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas parti superbement bien, là, hein, ici. On avait passé Cheever, on avait passé une Lotus. On avait passé, je pense, René Arnoux sur la... Ouais, attention, sur la Ligier. Alors, on est sur le circuit d'Hockenheim avec la Ferrari, évidemment, et son 12 cylindres. Alors, ça a déjà une autre mélodie que ce qu'on avait tout à l'heure. Et c'est aussi un point fort de ce mode, c'est que certes, le son n'est peut-être pas de la meilleure qualité du monde, mais en tout cas, vous allez pouvoir distinguer chacun des moteurs équipés dans chacune de ces magnifiques machines. On est surpiqué dans la première chicane. Oui, ça passe, mais c'est compliqué. Alors, on n'a pas intérêt de s'accrocher avec Nelson Piquet dans la prochaine chicane, sinon il va venir nous mettre une droite. Rappelez-vous, enfin, nous ne sommes pas encore Elio Salazar, mais quand même. On va pas aller chercher ce diable de Nelson. Allez, le freinage. Oh, ça va être chaud de passer à deux ici. Ouais, Nelson qui nous touche. Ouais, on va toucher Arnoux. Bah oui, on n'a pas trop le choix. Il n'y avait pas la place pour tout le monde. Allez. Le grand banking ici qui ramène toujours dans la forêt. Alors effectivement, visuellement, c'est pas la folie, mais on savait déjà que c'était Air Factor 2. Donc tant qu'on est sous DirectX 9, on peut pas faire grand chose. Alors, ça bouge pas mal, il faut s'habituer aussi aux caméras. Alors vous voyez peut-être pas avec le replay qui va modifier la caméra, mais ça bouge énormément en caméra embarquée. Et on a cette sensation aussi de ne plus voir la piste. Quand on freine, on est plongé véritablement dans le cockpit, chose que vous pouvez bien évidemment
régler et modifier à votre guise. Le comportement des voitures, on va passer à ça maintenant, eh bien, est tout à fait prenant avec les aides eh bien, retirées. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Vous le savez, de passer eh bien, 8 à 900 chevaux au sol avec des pneus qui font, je sais pas combien, peut-être 315 ou 330 de large. Je n'ai plus d'idée. L'extérieur, c'est magnifique. Faut dire, la voiture, elle a été l'une des pires qu'il y avait, je pense, à l'époque. Je sais pas si c'était pas une Onyx qu'on vient de doubler. Bref, je crois qu'on est désormais derrière Elite Shiver, si je ne dis pas de bêtises et que je reconnais bien le casque du pilote de la Rose. En tout cas, premier tour conclu ici avec la Ferrari et vraiment le 12 cylindres est un pur bonheur. Oh, allez, on freine bien. Allez, on va aller chercher l'extérieur ici sur Cheever. Allez, est-ce qu'on va aller chercher Eddie? Oh, oui. Allez, on est côte à côte. Le moteur de la Ferrari devrait mieux respirer. Là, le 12 cylindres, il devrait faire la différence. Voilà. Alors encore faut-il freiner. Oh, devant, on a une voiture qui est allée mettre deux roues dans l'air. Je crois que c'était une Benetton sur mon bout de scène. Allez, on freine pour la chicane. En tout cas, un mode très convaincant et bah, c'est gratuit. Donc allez-y, hein, sincèrement, c'est vraiment du très, très, très bon. Des variétés dans les sons, des variétés dans les moteurs et le comportement des voitures selon le moteur. Les performances. Alors évidemment, si vous faites des courses avec une grille aléatoire comme je le fais ici pour vous montrer un petit peu les différents réglages. Ça passe, oui ça passe, ouais, un peu compliqué mais ça passe. Pour vous montrer un petit peu les différents aspects des différentes voitures, eh bien la hiérarchie va être complètement chamboulée. Vous n'allez pas avoir les McLaren qui vont truster avec les Williams les avant-postes et les Osella et toutes les autres derrière. Non, vous allez vraiment avoir quelque chose de complètement mélangé, mais ça risque de se résorber si vous faites des courses plus longues avec eh bien, les voitures les plus performantes qui reviennent aux avant-postes. Mais si vous faites une qualif, ça a l'air d'être plutôt raccord hein, avec bah, devant effectivement les Williams, les McLaren, les Ferrari. Et derrière, vous avez ensuite les Benetton, les Ligier, etc. qui suivent le peloton de chasse. On rentre dans le stadium, on fait l'extérieur à Cheever, c'est magnifique. Oh oui, on a failli prendre la Tyrell également, mais on n'a pas pu passer. Et on y va. Allez sur la Tyrell. Voilà. Alors, nous voici derrière, je crois, une Eurobrun. Si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, je ne sais plus quelle est cette voiture. Je devrais la connaître, moi je ne m'en rappelle plus. Toutes ces petites équipes qui ont fleuri dans la fin des années 80. Bref. Voilà, pour cette deuxième partie, on va switcher tout de suite sur une autre partie que cette fois-ci je ne vous commenterai pas. Ce sera de l'audio et vous allez pouvoir apprécier le son de la March Leighton House de Maurizio Guglielmin.
Alors évidemment, étant belge dans l'âme, vous le savez bien, je suis un grand passionné du circuit de Spa-Francorchamps. Je ne pouvais pas faire sans prendre Thierry Boutsen et l'emmener un petit peu faire un tour sur la piste de Spa. C'est parti. Oh, et c'est très très mal parti. Là, on a complètement loupé le départ avec notre Benetton. Le freinage à l'intérieur. On va essayer d'aller chercher Kazuki Nakajima, Ayrton Senna. Est-ce que ça passe? Oui. Allez, c'est passé. Je crois que devant, ça peut être Derek Warwick. Je révise un petit peu. Là, la Tyrrell va nous passer à l'extérieur. On est sur le vieux Spa-Francorchamps, évidemment. Donc, je rappelle que tous les circuits sont bien évidemment inclus. Allez. Oui, ça passe dans ce mythique Rédillon. Avec Thierry Boutsen, vous voyez, ça se coupe pas mal. Et encore un son différent, un comportement différent avec cette Benetton qui branle balle dans tous les sens. Derrière, on a une attaque d'une Ferrari. Berger ne peut pas passer. Oui, le train arrière qui glisse. Vous voyez, donc c'est vraiment très très fun. C'est très limite au niveau du comportement. On a quelque chose d'extrêmement frustrant et crispant. Il faut être très concentré. La Tyrrell qui plonge, Berger va suivre. Est poussé à l'extérieur. Je sais pas si on va pouvoir sortir correctement de l'épingle de Bruxelles, le gauche du speaker's corner. Est-ce que ça peut descendre mieux pour nous? Ouais, on est pas mal. Alors ça, avec une boîte en H, hein, vous allez vous faire extrêmement plaisir. C'était comme ça qu'on pilotait à l'époque, hein. Les boîtes électroniques n'étaient pas encore arrivées. C'était 2-3 ans plus tard chez Ferrari notamment. Allez, le freinage du pif-paf, avec donc voilà le circuit de l'époque, et tous les circuits sont là. Donc si vous voulez retrouver le vieux Mexico par exemple, le vieux Monaco et tout ça, tout est dispo. Oh, c'est sorti large pour l'une des Tyrrell, on va passer à droite. Oh, pas sûr que c'était une Tyrrell par contre, c'était peut-être autre chose. Ah, on se retrouve derrière le maître des Ardennes, Senna. Avait-il gagné en 88, Senna, c'est pas, je ne sais plus. La mémoire me fait défaut. Allez, le passage de Blanchimont avec encore les bacs à gravier et la partie qui était encore utilisée comme route ouverte. Vous le verrez certainement avec les traits qui séparent la piste. On va peut-être aller chercher Senna au freinage. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, oui, allez. Oh, c'est là qu'il va lui chercher Nakajima. Bah, on a bien fait de se raviser. Ce n'était pas une Lotus, c'était une Minardi qui était derrière nous. On l'entraperçoit dans les rétros. On va chercher. Oh, ça, c'était joli, ça. Passer entre la Williams de Mansell et la Lotus. Ça va être chaud à la source, il y a du monde. Et voyez, c'est très très fun. Air Factor 2 fait très très bien le travail à ce niveau-là. Donc vous avez pu profiter des sons aussi, j'en ai pas parlé, de la marche Lighthouse de Maurizio Gugelmin. Donc vraiment, quelque chose de très très plaisant. Regardez ça, l'attaque du Rédillon comme à l'époque. Alors ça freine un peu beaucoup au niveau de l'IA. Je suis à 98. Je suis à 98 au niveau de l'IA. Quelque chose de tout à fait classique. Pour moi, dans ce genre de test, c'est-à-dire que je ne suis pas non plus perdu, je ne dois pas tryhard, je peux aussi me concentrer un petit peu sur ce que je dois vous dire. Donc, en résumé, eh bien, go for it! Allez chercher ce mod dans la description si vous avez R Factor 2, pardon, sur Steam uniquement, et vous pourrez, eh bien, vous faire plaisir avec ces bolides qui n'ont pas pris une ride. Alors les amis, je fais une partie de cette vidéo, c'est-à-dire à partir de maintenant, en post-commentary. Pourquoi? Eh bien parce que je voudrais dédier cette vidéo à quelqu'un qui nous a quitté il y a de cela un jour. C'est Alain Garini, que vous ne connaissez peut-être pas, qui était en fait un grand passionné du circuit de Spa-Francorchamps. Et c'est en partie aussi pour lui que j'ai rajouté cet extrait que je n'avais pas tourné à la base. Pour lui rendre à ma manière un petit hommage. C'est un monsieur que je n'ai côtoyé uniquement que sur Facebook. Il était rédacteur principal et une source de connaissance du sport automobile et du circuit du Spa-Francorchamps absolument incroyable. J'ai pu en apprendre quelques-unes grâce à lui, des anecdotes, des questionnements que j'avais quand je posais des questions. C'était pas souvent, c'était pas beaucoup, mais les peu de fois où j'avais eu besoin d'un éclaircissement, c'est lui qui me l'avait apporté. Et au nom de l'ensemble des membres de Francophane, voilà, je voulais lui dédier cette petite vidéo. Et voilà, donc merci à tous pour votre attention. Je sais que ce n'est pas une note joyeuse pour terminer cette vidéo, mais ça fait partie aussi de la vie. Et il faut savoir parfois rendre hommage aux gens qui sont importants pour nous et qui nous apportent aussi quelque chose, que ce soit dans la vie de tous les jours ou simplement dans notre passion. Les amis, merci à tous pour votre attention. J'espère que vous allez passer
malgré tout un bon moment dans cette vidéo et je vous invite à donc tester ce mode F1 88 et rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine, salut.